commande de Lucio Silla vient de Milan, de l'impresario du Teatro Ducale de Milan, qui voulait un opéra pour le carnaval de la fin de l'année 1772 et du début 1773. Mozart n'a que 16 ans. Mozart est un virtuose prodigieux depuis son enfance, vous le savez. Et lorsqu'il arrive en Italie, il a en tête sa partition, puisqu'il a déjà beaucoup travaillé. Le librettiste lui a envoyé le texte, mais il a une mauvaise surprise lorsqu'il arrive en Italie, car le librettiste a soumis à un des plus grands auteurs italiens le livret de cet opéra. Et ce grand auteur italien, c'est Metastasio, qui va inviter le librettiste Gamera à reprendre un certain nombre des aspects du livret. Très souvent, le rôle du dictateur, de Lucio Silla, est plutôt donné à un chanteur âgé. On considère plutôt comme la Clémence de Titus, enfin d'un monarque en fin de vie qui fait un bilan, qui revient sur ses années de violence. Et pour moi, c'était très important, justement, puisque de toute façon, il y a plein d'anachronismes historiques. Mozart n'a pas cherché à donner une vision extrêmement historique de cette histoire. Comme le contexte historique sert plutôt de prétexte à étudier l'âme humaine et en donner justement toute l'ambiguïté et toutes les facettes. Et pour moi, c'est très important justement de faire de Lucio Silla un jeune homme, au même titre que Giugna et Cecilio, donc Cecilio le rival, enfin l'ennemi, et puis Giugna l'amoureuse de Cecilio, dont il est aussi fou amoureux, d'essayer de constituer un triangle amoureux crédible. Et donc très vite, on a imaginé que le da capo était une manière finalement d'entrer dans un monde plutôt de fantasmes, un monde imaginaire, d'aller à l'intérieur de soi. Et donc, on l'a traduit visuellement justement par des projections un peu fantasmatiques. Il y a une alternance comme ça de scènes qui se passent justement dans les appartements de Giugna, ensuite dans une nécropole, ensuite dans les appartements de Silla, ensuite on va dans un jardin, ensuite on va au Sénat. Et donc il fallait trouver une fluidité pour passer d'une scène à l'autre sans interrompre justement le récit et faire des changements complexes. Au XVIIIe siècle, les tessitures vocales sont utilisées de manière complexe, puisque, comme vous le savez, les stars de l'opéra de l'époque, ce sont des castrats. Et les castrats ont des capacités vocales qui leur permettent de chanter dans le registre de soprano, c'est-à-dire ce qui correspond à la voix féminine la plus aiguë. Donc, le sexe est finalement moins identifié à tel type de personnage qu'on le sera ou que ce le sera au XIXe siècle.